Dans ce cercueil reposera éternellement l'âme de maman Adolphine Galula Mwamulamba, veuve du tout premier ministre du gouvernement Mobutu de novembre 1965 à octobre 1966, feu le général Léonard Mulamba Nyoni, dans lequel M. Étienne Tshisekedi, le père biologique du président Félix Tshisekedi, était ministre de l'Intérieur. Exposé au parvis de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui a rendu hommage ce vendredi 16 septembre 2022. Le chef de l'État s'est incliné et déposé sa couronne des fleurs et a adressé quelques mots de réconfort aux membres de la famille éplorée avant de quitter les lieux. Proche de la famille présidentielle, Madame Adolphine Galula a servi le pays aux côtés de son défunt mari qui fut également doyen du corps diplomatique au Japon et ambassadeur plénipotentiaire du Zaïre en Inde, au Japon, en Corée du Sud et au Brésil avant d'être décoré chancelier des ordres nationaux et de l'ordre des compagnons de la Révolution. Femme exceptionnelle, vertueuse et courageuse, mère gentille, grand-mère accueillante, grande dame serviable, chrétienne fervente catholique, voilà en un mot les témoignages faits par les proches de la défunte. Décédée depuis le 9 septembre 2022 à Kinshasa, Adolphine Mwamulamba, morte à l'âge de 80 ans, sera mise en terre au cimetière entre terre et ciel.